Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour faire un petit peu de coloriage aujourd'hui, ça va changer un petit peu du diamond painting. Alors la dernière fois je vous avais laissé, j'avais commencé le pierrot. Alors je l'ai terminé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans cet ouvrage les affiches de pub vintage que je vous avais montré lors de la dernière vidéo. Et donc j'avais fait le pierrot, donc je l'ai terminé, j'ai mis une petite photo sur Instagram, donc voilà comment il se présente. Voilà, il est trop trop joli. Alors je l'ai fait au crayon feutre Crayola, oh, je vais y arriver, au crayon feutre Crayola, et tout le fond je l'ai fait au Prismacolor, au crayon Prismacolor, au crayon de bois Prismacolor, vous savez c'est ma grande boîte de 150 crayons. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai blendé un tout petit peu avec un coton, un disque adimatiquillé que je mets en deux. Et je viens blender un petit peu, en fait je viens mélanger un petit peu mon bleu pour le répartir uniformément. Autrement, tout le reste a été fait au crayon feutre. J'ai fait quelques petites couleurs au crayon de bois, mais la majorité a été faite au crayon feutre. Donc voilà comment il se présente. Alors, je ne l'ai pas plastifié puisque au dos, il y a un autre dessin. Alors, vous savez que dans ce livre-là, ce sont des dessins qui sont recto verso. Donc, quand j'ai fait les recto verso, je plastifie. Sinon, bah, je laisse dans l'album et puis je plastifie une fois que mes dessins sont terminés. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire du coloriage par numéro. On va faire un coloriage dans cet album-ci, qui est un album qu'une de mes collègues m'avait offert pour mon anniversaire. Alors, je ne sais plus la date, par contre, ça remonte à il y a 4-5 ans. Ça fait bien 4-5 ans que je l'ai, celui-là. Alors, ce sont des coloriages recto. Il n'y a pas de verso. Vous voyez que les fonds sont noirs. En fait, ce sont des cœurs. Vous voyez? Voilà, ce sont plein de cœurs comme ça à colorier, style un petit peu mandala. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Donc moi ce que j'ai fait, j'en ai fait quand même pas mal dedans. Ensuite je les décroche et puis je les offre en fait. Je les offre et puis soit je les plastifie, soit je les offre. Alors aujourd'hui on va faire ensemble celui-là. Je pense qu'il n'est pas trop long à faire. On va faire celui-là ensemble et on va le faire au feutre à alcool. Étant donné que... Alors je vais le détacher. Voilà, étant donné que au dos c'est du noir, on peut faire ce genre de coloriage au feutre à alcool. Ça ne traversera pas, même si ça traverse, de toute manière, ça ne gênera en rien le dos. Donc on va faire celui-là ensemble. Donc je vais vous placer sur mes mains et je vous retrouve de suite. Alors, j'ai préparé donc mes quelques petits crayons à alcool. J'ai envie de le faire dans les tons un petit peu rose, rose et parme. Alors, j'ai pas pris, je ne sais pas du tout hein, comment je vais partir. Alors, j'ai pris une bande de papier ici pour essayer un petit peu mes couleurs. Alors, ça, c'est un rose très clair. Ça, c'est un rose. Alors, je vais peut-être partir là-dessus. Alors, je vais peut-être vous mettre un petit peu de musique. J'ai oublié de préparer la musique. Alors, ce qui est bien avec ces feutres-là, c'est que on ne voit pas du tout de traces. Donc, ça, c'est bien. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Je vous mets pause et je vais vous mettre de la musique. Alors, je vous ai mis une petite musique douce.
Alors, j'ai toujours mon attelle, hein. Donc, c'est pas très pratique, pardon, de colorier avec. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Au dos, on voit un petit peu les traces, mais ça va, c'est pas gênant. Alors en fait, ce que je fais quand je fais ce genre de dessin, je prépare un petit peu quelques couleurs. Je regarde un petit peu dans lesquels tons de couleurs je veux faire en fait, mais j'ai pas de... Enfin voilà, je fais un petit peu au pifomètre. Sur le coloriage, c'est un moment de détente, donc voilà, faut pas se prendre la tête. Alors, je vais faire un petit peu de mauve. Non, ça c'est pas du mauve. Je vais faire comme ça. Je vais prendre un petit rose un peu plus clair. J'ai pris un petit jaune.
pense que je vais prendre celui-là pour faire les tiges. Alors mes colosènes, j'aime bien le faire, les faire sans parler parce que voilà, je trouve que ça détend, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Je préfère vous mettre une petite musique et puis voilà, faire ça tranquillement. Alors là, c'est un bleu que j'ai pris, un bleu assez clair pour faire les petites feuilles.
j'ai pris un bleu un petit peu plus foncé. Alors là, j'ai pris un petit orange. Je peux vous assurer les filles que ça, au niveau des tentes, c'est le top. Ça et le diamant painting, moi c'est un truc qui me détend à fond. J'aimerais bien pouvoir vous le finir avant les 30 minutes.
Alors, j'aurais voulu faire cela en une autre couleur plus foncée. Voilà, il ne me reste plus que le petit oiseau et les deux papillons, les petites notes de musique. Je fais pause et je vous retrouve tout de suite pour la fin. Alors, je vous retrouve pour la fin. Voilà, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus que la petite note de musique à faire ici. Donc voilà, mon dessin terminé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous remonter un tout petit peu. Hop. Voilà, mon dessin terminé. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez vu qu'avec les feutres à action, hein, ça se fait tout seul. Le papier boit très très bien la couleur. Il n'y a aucune trace de feutre. Moi j'adore colorier avec ça. Alors certes, vous voyez, ça a traversé quand même un petit peu. Vous voyez, j'ai mis un papier blanc derrière. Mais là, comme c'est du noir, c'est pas très dérangeant. Donc voilà, un très joli petit dessin que vous pouvez ensuite encadrer. Alors, je suis vraiment désolée parce que je ne peux pas vous redonner la référence de l'ouvrage. Je sais qu'elle l'avait acheté à l'espace culturel du Leclerc. Donc, c'est la marque Marabout, si vous voulez voir. Donc, c'est Cœur. Si vous voulez taper peut-être sur Amazon, je vais essayer de vous trouver le lien de l'ouvrage que je vous remettrai donc en barre d'information. Hein. Je vous montre un petit peu. Voilà les dessins qu'il y a. Pour toutes celles qui aiment un petit peu les mandalas, tout ça, moi je trouve cet ouvrage vraiment très très joli. Je vais essayer de vous le retrouver, mais c'est pas gagné. Hein. Donc si vous voyez qu'il n'est pas en barre d'infos, c'est que j'ai pas réussi à vous le trouver. Il date d'il y a un petit moment. Vous voyez, ce sont 50 images à colorier et à détacher. Vous pouvez les détacher en fait comme j'ai fait. Ensuite, vous mettez un petit cadre ou vous le laissez comme ça. Vous pouvez aussi le plastifier et ça vous fait un très joli dessin. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à toutes celles qui auront regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.